Un pilote d'avion a pris 7 mois de prison car il s'est fait choper aux commandes de son Boeing 737 un peu... Vous voyez ? Il était un peu grammé, le mec. Ça veut dire qu'il... Ah bah oui. Et du coup, bon, bah, il est défendu par ses collègues de la corporation. Hein. Ah bah, solidarité oblige. Hein. Bah attends, c'est un pote. On laisse pas un pote dans la merde. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait, notre camarade pilote. Tous ensemble, tous ensemble. Libérez notre camarade. Non, c'est parce que bon, on a vu les petits canons en sortant de chez la DD. Et tout de suite, bon, alors, ils l'ont contrôlé, il rentre à la maison. Il prenait le Boeing, il rentrait, et puis c'est tout, tu vois. Il le garait au parking, et puis. Oh, ils ont fait un contrôle, alors tout de suite, ouais, il a picolé, tout. Oh, les mecs, tout ça parce qu'il a bu quoi? Une trentaine de bibines? Hein? Non, mais ils cherchent la merde, aujourd'hui, tu peux même plus conduire si t'as bu un canon. Attends, il y a Oero. Oh, les mecs. Bon, Gérard, on y va, on décolle, là, on est à la bourre de au moins un quart d'heure. Oh, putain de bordel. Non, je vous laisse parce qu'il faut que nous... hein? Excusez-moi. Non, j'avais laissé mon... sur la commande. Allez, à mon pote, tu vas t'en sortir, gros. Oh, tu paries, à peine il a bu... Allez, Gérard, tiens le frein à main, on va décoller. Il est des nôtres, il va décoller comme les autres.